Dans face ça, qu'on y a là, amis des spectateurs, amis qui regardent sur internet, surtout qu'on y a nous va présenter une interview très intéressante et très détaillée tout, on nous dit que nous t'ai réalisé pendant t'ai arrivé dans Nampayol, dans village Nampayol ça, après bloqué dans commune Kenskof, en haut sous tête monde là, nous va rencontrer fois ça avec président organisation docteur Louis Gelamotte. Il y a des gens qui t'a pensé que fondation ça, même dit organisation c'est plutôt une fondation pour préciser. Alors yo t'a pensé que président de fondation t'a supposé à juste titre l'ancien premier ministre monsieur Laurent Lamotte puisque c'est fondation c'est lui créé c'est vous ta président. Non, c'est pas le cas. La présidente de la fondation Louis Gelamotte à juste titre c'est madame Rose Anne Auguste. Une belle tête de femme, une tête bien faite, il faut dire aussi bien préparée qui qu'on nous a fait développement, qui qu'on nous a fait eh ben population, genre de population ça à côté que il y a proximité avec eux d'après plo que l'était d'abord sous eh ben pendant que premier ministre Laurent Lamotte sous pouvoir lié avec président Martelly, madame ça, madame Rose Anne Auguste, l'était ministre de la pauvreté. Donc il y a une certaine proximité avec population ça, la population de l'arrière-pays. Jodia c'est lui qui a la tête qui est qui présidente fondation Louis Gelamotte là. À juste titre, il pourra parler, il pourra expliquer nous qui sa fondation est, côté fondation campé et qui ça a fait dans la commune Kenskof, dans le village Nampayol. Nous allons parler en pile puisque le président lui-même expliquait avec un pile détail qui sa qui fondation Louis Gelamotte là et qui travaille qu'il a fait. Donc, on allait directement dans l'interview, dans présentant la présidente de la fondation Louis Gelamotte, madame Rose Anne Auguste, à nous suivre l'interview ça avec un pile d'intérêt. Là maintenant, c'est un plaisir, un grand plaisir pour nous rencontrer avec le président de la fondation, Louis Gelamotte, là, au monde qui passe la présentation. Madame Auguste, ou passe la présentation, mais qui t'offre la présentation rapidement, parce que nous avons très long passé dans le travail avec la paysannerie, contre la pauvreté au travail, dans ça, au gouvernement passé. Là. Et une présentation de vous rapidement pour le monde qui peut-être pas te connaît. Bon, moi, c'est Rose Anne Auguste, moi, c'est intervenante communautaire dans l'âme. Et ça a moins quitté pratiquement 30 ans derrière l'intervention communautaire. Et puis, effectivement, moi j'étais passé dans le gouvernement Lamotte sous l'administration Martelly. Et Kounia m'a apporté une contribution à la fondation Dr. Louis Gelamotte pour me dire que moi surtout coordonné action sous terrain. Et parce que le concept présidence dans la fondation, ce n'est pas une question de hiérarchisation, mais c'est une question de mettre les mains. Et puis, c'est plus une charge de coordination action terrain. On a parlé de l'action, on a parlé d'action évidemment. Première action, c'est route là. On route qui, mon Dieu, sauf faire route ça, on va comprendre vraiment quelles difficultés que tu as eu avant pour venir là dans la Pagnol. Faut-il parler de route là? Oui, ça, c'est une première action et qui était première action prioritaire que paysans et acteurs de la Pagnol ont identifié. Et nous sommes venus dans le forum le 5 février avec eux là, parce que forme d'eau, mission nous, et vraiment c'est goumen contre l'exclusion sociale, goumen et contre pauvreté extrême, mais par la participation citoyenne. Ça veut dire que font tendre et paysans, tendre acteurs en milieu, sous besoin, et garder ensemble avec eux, comment nous pouvons accompagner pour transformer la zone et sortir en difficulté. Alors, première action que nous avons ciblée comme priorité, c'était la route. Là. Mais Fondou, ce n'est pas une route que nous faisons là. C'est une piste agricole, nous percer la piste agricole là pour nous désenclaver la communauté. Là. Parce que pour nous rentrer là, sous route 2.66 km sorti Carrefour Fursi pour venir là à Lampagnol. Ça te compte prendre des fois 2 heures de marche parce que on monte pente, on descend pente, on monte pente. Et puis avec concours fondation Digicel qui ban nous une subvention de $50,000, nous arrivé fond percé et kounya là, nous l'on deuxième étape qui c'est protéger puis agricole là, l'on fin fait percer, il faut protéger tous les deux boyaux avec un projet de talus côté que nous pral planter bambou sur toute route là pour nous capable protéger route là. Mais là nous dit nous pral faire c'est ensemble avec paysans yo parce que nous pas faire rien sans yo et c'est avec initiative yo et que nous pral aller protéger piste agricole là en plus que nous pral mettre des drains dans point d'eau yo mais nous pral aller vraiment et gon projet talus côté nous pral planter bambou sur toute route là avec l'eau croate avec jimpa des pieds bois qui capable kembe terre pour capable protéger piste agricole là. Pendant on parler là, il vient m'a dit des questions ça que franchement faut tout le monde ta mais qu'on est pour qui ça nous vienne là juste dans Pagnol, pour qui ça nous choisit dans Pagnol. Est-ce que c'est monsieur Lamotte ou bien une dans la fondation qui choisit vienne juste là dans Pagnol curieusement pour qui ça dans Pagnol. Sont très belles questions et avant fondation on était lancé le 15 janvier 2016. Nous te prenons presque une année ouais, à faire des mises en place. Alors, comme mission, nous, c'est
et lutter contre l'exclusion sociale, mais à partir de participation citoyenne, à partir de besoins communautés précaires. Il se trouve que parmi les communautés qui étaient contactées et Laurent Lamothe, c'était la communauté Panyol là, parmi les premières communautés qui étaient contactées nous et puis pour expliquer nos situations. Nous. Et puis là, ils ont contacté Laurent Lamothe et puis Laurent vient visiter. Il vient visiter zone là et il était un coup de cœur et puis après ça il était en pile sensibilité sociale par rapport avec il voit que mon était en pile problèmes sociaux et puis par rapport à sensibilité sociale il dit que faut premières actions fondation faut il commencer l'ampanyol pour nous expérimenter et ça nous tarelé transformer communauté en village intelligent. Village intelligent. L'école en lui-même, qui gens ça fait, qui gens nous arrivé avec la construction de l'école là. Ben le nous arrivé ici là, nous voit que t'es gagné un petit école qui c'est centre de formation classique de Panyol que Maître Gilbert Jérôme que fondation nous gagne pile respect pour lui parce que c'est il y a 20 ans que l'été mettait petit l'école ça sous pied et ça qui est intéressant c'est que l'école centre de formation classique de Panyol là c'était centre communauté à côté que même le son l'école liée malgré que c'était un petit Baptiste, mais c'est là toute activité et communauté à fait. Si grand témoin le fait là, si grand mariage le fait là, toute activité sociale. Yo. Mais ça qui est plus intéressant tout, c'est que c'est seul petite école qui est dans la localité ça. Ça veut dire que tout le monde qui habite ici là, l'obligé marcher aller fursi ou bien aller 15 coffres pour aller à l'école. Qui donc tout le monde que l'école ça t'est absorbé, c'est tout le monde parent yo kembe qui yo pas de cavoyer aller à l'école. Et c'est ça qui fait valeur l'école ça qui permet que ti moun ki rete dans communauté a parent pa gen moyen pour y aller et puis pour y aller. Et dans l'état que nous té wè l'école là. Ouais et pendant nous té vini, nous wè que té gon urgence pour reconstruire l'école là et ti moun yo chita youn sou l'autre et la condition ti moun yo t'a pas prendre, nous wè que c'était yon urgence pour l'école là reconstruire. Alors ça m'a expliqué qui est extrêmement intéressant avec les stratégies et fondation Dr Louis Gélamotte mettait en place, c'est que nous pas une fondation qui juste à collecter l'argent pour exécuter des projets. Au contraire, nous c'est une fondation qui a essayé rassembler toute entreprise, toute fondation qui a fait action sociale. Toute organisation qui est intéressée dans le gourmet contre la pauvreté, nous mobiliser autour des plateformes et puis à partir de besoins que la communauté a identifiés, nous permettre par exemple Fondation Sayo vienne exécuter le projet. Tant que l'école là, c'est Fondation Rapino qui a exécuté. Nous-mêmes, nous accompagnons. C'est pour nous dire que ce n'est pas une question, que c'est Fondation Dr. Louis Gélamotte qui a vienne faire. Son fondation sœur, n'a pas marché main en main avec lui, qui à construire et l'école reconstruire l'école là et yo vini avec toute indépendance surtout pendant que n'a pas accompagné eux yo gen contact direct avec population avec association yo ou je veux dire gon association qui a fêté 22e anniversaire mais nous tous les deux fondations yo là et ici là et niveau secteur privé des affaires là nous gen plusieurs et partenariat que nous établi partenariat avec Alaska et Dow Alaska, Ju Alaska, avec Tropicasa, nous gagnons de partenariat avec diverses et l'autre organisation tant que SOECID qui lui-même sorti distribuer et 500 outils agricoles pas gain 2 semaines là. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas une question de dire que c'est fondation qui a fait, mais c'est mettre avec de l'autre organisation long perspective solidaire pour refonder le pays ça, socialement. Mais ce qui est intéressant, nous commençons avec des actions micro. Parce que là, c'est une localité, c'est même pas une section communale. C'est une localité parmi 26 localités de 3e section communale et commune de Kenskov. Nous avons construit un petit modèle pour nous capables de dire. Par exemple, l'État PIA, capable de dire communauté internationale, là, mais qui sort café avec une petite communauté, ensemble avec la communauté, là, et capable de repliquer ça dans tout le pays. Là. Donc, là, nous venons là, ce n'est pas venir lâcher des miettes et puis virer aller.
n'a marché à communauté a pour aider le transformer socialement et pour aider yo même tout transformer tête yo en des acteurs conscients pour yo capable gérer communauté a. C'est pas tant que ONG traditionnel yo vini ou di wa bay moun yo ça. Nous di moun yo dit que petit yo té l'homme mauvais l'école, nous chercher partenaire yo reconstruire l'école là, n'a pas alphabétisé. Ça yo accompagner yo jusqu'au bout. Moun yo si n'a parlé que n'a changé là en village intelligent, faut nous permettre que moun nan capable gérer un téléphone. Et parce que je ne jodi à révolution numérique là, on parle de village intelligent, faut qu'on pose problème énergie a. Est-ce que la électrifié, faut poser problème que moun nan capable utiliser un intelligent parce que avec un téléphone intelligent, avec un téléphone qu'on y a, moun nan capable connecter avec le monde. Et nous-mêmes ça intéresse nous pour permettre que moun yo capable utiliser téléphone nan. Mais avant yo capable utiliser téléphone nan, faut assurer que nous libérer parole de analphabétisme. Ça veut dire est-ce que tout moun yo ici là qu'on écrit et c'est ça que fait nous tablions un partenariat avec secrétaire d'état alphabétisation ensemble avec brigade éducative cubaine pour permettre que moun yo apprenne à écrire un premier groupe là et qui censé fin apprendre à écrire n'a continuer jusqu'en fin année là pour libérer parole de analphabétisme parce que il y a 8 classes alphabétisation qui a fonctionné ici là la même circuit m'ta capable dire chemin et sorti panyol dans situation que lié à moun yo te identifié après route là reconstruction l'école là c'était deuxième point de priorité troisième point de priorité yo c'était santé et yo même yo te insisté puis yo dit que bon pas gain soin de santé et c'est pour ça nous inaugurer pas trop longtemps yon clinique mobile que n'a gain chaque mois avec brigade médicale cubaine ici là et yo te identifié tout énergie puis développement agricole. Nous quoi te font bon parler avec agronome Thomas sur tout aspect développement agricole et puis reforestation zone dans tout. Donc c'est pas une seule action que nous gain ici là. Nous gain route là que n'a protégé puis agricole là que nous fin construire n'a protégé. Nous reconstruire l'école là et c'est pas seulement physiquement l'école là reconstruit, tant qu'on Amandine nous dit nous là tout cursus l'école l'a changé. Faut ti moun ki dans l'école ça li capable apprendre sur impact changement climat, li capable apprendre sur éducation environnementale, li capable apprendre sur action civique. Pour qui ça aujourd'hui am dans pays d'Haïti, qui ça qui identité comme haïtien, qui ça me capoter pour changer pays ça. Tout ça pral brasser dans l'école ça. Et c'est pour ça que nous gain différents partenaires et là parmi partenaires qui dans plateforme éducation, nous avons plateforme éducation, nous avons plateforme reforestation, nous avons plateforme agriculture. Parmi les partenaires de l'éducation, nous avons la Fondation Lucienne Deschamps qui bail, par exemple, fait timonio et cadeau dans la rentrée des classes, des manuels scolaires, des kits scolaires. Bon, l'autre aspect intéressant, nous avons jumelage avec l'école Jouk en Porto Rico. Et Timoun nan centre formation classique de Pointe, yo pote même uniforme avec Baldwin School de Porto Rico. Son jumelage, non seulement yo voye matériel didactique pour Timoun yo, mais uniforme pour Timoun yo tout. Et toute direction l'école là, vini site là déjà vini rencontrer la direction ici là pour montrer que fondation li pa rete seulement non solidarité nationale, mais li non solidarité internationale très fort. Et en même temps tout la construit en solidarité régionale très profonde côté que ti moun sa yo écrit pour petits amis yo ici petits amis yo répond yo et yo même tout y a bien pour yo venir apprendre de culture agricole ici et selon mouvance de solidarité fondation docteur Louis Lamotier n'a fait solidarité son gros mouvement de solidarité qui capable vinn un mouvement de solidarité mondial mais en attendant il commence très fort dans le secteur privé des affaires et il y a assez fort tout avec des partenaires qui, que ça soit aux États-Unis que ça soit et à Londres en Europe et n'a pouvait monde là en bas planète là nous croyons que faut une chaîne solidarité pour nous retirer pays à petit dans ça que lié là mais avec participation citoyen. Madame Auguste Nabjo, merci en pile information vraiment passée. Tout détail que nous avons besoin de gagner. Et ça qui est important, c'est que nous-mêmes qui sommes à l'extérieur, à Cap-Gardeau de la diaspora étant, c'est que nous apprécions le genre de travail. Ça, qui message nous avons pour nous-mêmes à l'extérieur? Bien content parce que c'est avec ça que je voulais finir. Je voulais dire que chaque grain haïtien, chaque grain haïtienne qui vit dans la diaspora, niveau respect que la Fondation Dr. Louis Gélamotte a pour vous. Et
pour toute contribution que y a porté pour yo kembe pays ça en vie. Nous croyons dans ça et nous disons continuer avec dynamique que yo commencé déjà. Nous connaissons là-bas, il y a toutes les associations régionales yo. Nous respecter ça en pile. Par exemple, si moun nan c'est moun zone Panyol, li c'est moun zone Kenskof, li rassembler tout ça le gagner pour le poté coller. Et nous disons comme ça que avenir pays a li dépend de yo. Et yo déjà commencé à construire pays a, nous croyons dans ça et nous croyons que chaque grain de sel que yo poté, c'est ça qui a fait que nous tourner Haïti que nous tout souhaiter a. Moi voyons un gros coup de chapeau pour moun nan diaspora, yo fondation docteur Luigi Lamotte dit que li vle connecter avec yo tout. Dans toute démarche que cap fait vraiment pour changer figure pays ça socialement, nous croyons pile dans yo, nous croyons pile dans yo et nous invitons yo venir visiter Panyol, yo même tout yo capable porter contribution yo tout dans Panyol Jean yo vle et yo capable sur site internet fondation fondation LGL.org. Yo capable bail don pour action que nous a fait, yo capable voyer et impression yo, opinion yo sur travail qu'a fait là, nous croyons en yo et si pour nous-mêmes gagne énergie solide qui capable sortir pays ça dans salier, nous-mêmes nous croyons en pile dans diaspora, dans haïtien qui vivent dans diaspora, nous fou pour yo. Merci en pile.